Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé-bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Quelle est la différence entre le Qigong et le yoga et pourquoi vaut-il mieux pratiquer le Qigong ou alors le yoga? Alors j'avais déjà fait un article il y a quelques mois sur le sujet complémentarité et différence entre Qigong et yoga. Je vous mettrai les références dans la description de ce podcast. Et donc souvent, c'est une question que l'on se pose et peut-être que vous-même l'êtes-vous déjà posée. Alors, vous savez que moi, j'anime des cours de Qigong en présentiel, mais aussi sur Internet avec une séance chaque jeudi soir à 18h30 en live. Alors, si vous voulez participer, je vous mettrai le lien aussi dans la description et vous pouvez vous inscrire sur ma plateforme Podia. Et donc, la question qu'on peut se poser souvent, c'est est-ce que le yoga et le Qigong participent d'une même source? C'est-à-dire, comment ils sont compatibles et s'il y a vraiment une grosse différence. Alors, pour bien comprendre la différence, mais aussi pour moi la complémentarité du Qigong et du yoga, je vais revenir sur leur origine, sur leur principes, sur leurs bienfaits, sur leurs approches et leurs pratiques. Alors pour ma part, j'ai commencé il y a très très longtemps la pratique de yoga, il y a une trentaine d'années, c'était lors de ma première grossesse et cela m'a beaucoup aidée pendant toute la grossesse et l'accouchement. Et ensuite, comme j'ai été attirée par ma profession, par la médecine chinoise, j'ai donc pratiqué tout d'abord le Tai Chi Chuan et le Qigong sur Lyon. Alors, voyons un petit peu ensemble ces deux pratiques. Alors, je vais déjà commencer par vous parler du yoga. Alors, le yoga est une pratique millénaire, originaire de l'Inde, et qui vise à une recherche de l'harmonie entre le corps et l'esprit. La méthode du yoga la plus connue en Occident est le Hatha Yoga, qui privilégie le travail corporel. Et la pratique du yoga se caractérise par des postures. Et chacune de ces postures, il en existe une centaine au total, porte le nom d'un élément ou d'un objet, comme le cobra, la montagne, la charrue. C'est ce qu'on appelle les asanas. Et ces postures visent à développer progressivement la souplesse du corps, mais aussi la capacité respiratoire, l'attention, l'écoute. Ces postures vont améliorer la condition physique, mais aussi l'état de relaxation, la concentration, la connaissance de soi, tout en libérant les tensions musculaires et les tensions nerveuses. Quant à la maîtrise de l'esprit, elle va s'obtenir par des mudras, qui sont des positions favorisant la concentration. Et ces mudras vont permettre de se concentrer pour retrouver la paix de l'esprit. Alors, dans la pratique régulière, le yoga a une action bénéfique sur les troubles chroniques,
comme les rigidités musculaires, les douleurs, l'arthrose, mais il va permettre aussi de réduire le stress. Alors les postures de yoga ou asana vont faire travailler toutes les parties du corps en étirant et tonifiant les muscles, en massant les organes internes. Et ces postures vont entraîner le ralentissement du rythme respiratoire ou pranayama et vont réguler le flux du souffle que l'on appelle aussi le prana. Et donc la relaxation et la méditation vont apaiser le mental et aussi les émotions. Alors le yoga peut être pratiqué par tout type de public, y compris les futures mamans, les enfants, mais aussi les seniors. Alors, et le Qigong? Alors, le Qigong est une gymnastique de santé millénaire, elle aussi, qui va être d'origine chinoise. Et la conséquence et la maîtrise de l'énergie interne, du souffle, sont ses principaux fondamentaux. Et à travers ces formes très diversifiées, il y a aussi plus de 10 000 versions connues, sa pratique va être bénéfique sur différents plans. Tout d'abord sur le plan physique, grâce à ses étirements et à ses nombreuses postures qui vont être réalisées lentement. Sur le plan énergétique aussi, par le contrôle de la respiration et de la concentration. Et enfin, par le contrôle de la pensée et la culture de l'esprit. Alors on va retrouver des postures, des séries de mouvements qui sont tout le temps réalisées très lentement et qui vont entraîner un relâchement musculaire, mais aussi la régulation de la respiration. Et ces mouvements vont permettre d'atteindre un haut niveau de relaxation et de concentration tout en faisant circuler l'énergie interne dont la maîtrise va permettre de nous maintenir en bonne santé, mais aussi de ralentir le vieillissement. La base commune à toutes les pratiques de Qigong va être la posture de l'arbre que l'on retrouve très souvent, qui est essentielle pour développer le chi, l'énergie, et qui se retrouve dans beaucoup de figures. Aussi, dans la respiration, le mouvement de l'expiration et la maîtrise yang de dispersion, alors que celui de l'inspiration est de nature yin, tonification. Alors, chaque matin, des millions de Chinois effectuent cette salutaire gymnastique. Et selon les principes de la philosophie traditionnelle chinoise, lorsque l'énergie est bloquée, le corps va tomber malade. Et en pratique, le fait d'effectuer des gestes très gracieux, très lents et précis vont permettre de lever les obstacles situés sur les méridiens où va circuler l'énergie. Alors, les bienfaits du Qigong vont être le calme, la maîtrise de soi, la concentration. Le corps va se débloquer, s'assouplir, les tensions vont disparaître et le Qigong va travailler aussi sur les organes internes et sur les émotions auxquelles ils sont associés. Le Qigong va ainsi lutter contre le vieillissement avec la longévité, notamment va améliorer l'état des genoux. Et selon un adage chinois d'ailleurs, on dit on vieillit par les genoux. On va aller travailler sur les sens, plus particulièrement la vue et l'ouïe qui vont tirer également profit du Qigong. Et des revues médicales ont d'ailleurs fait état de nombreux effets bénéfiques chez les gens âgés de plus de 60 ans, en particulier sur la circulation sanguine, sur tout ce qui est artère, veineux, sur la mémoire, sur la digestion et sur l'anxiété aussi. Alors le Qigong lui aussi peut être pratiqué par tout type de public, il n'existe aucune contre-indication. Par contre, si un geste est trop difficile à réaliser, on peut aussi l'imaginer, le visualiser.
Alors, ok, hein, vous allez me dire concrètement, mais quelle est la réelle différence entre le Qigong et le yoga? Alors, le Qigong, lui, peut être médical, c'est-à-dire qu'il va constituer une des branches spécifiques de la médecine traditionnelle chinoise, ou MTC. Et selon les principes de la philosophie chinoise, lorsque l'énergie est bloquée, le corps va tomber malade, comme on l'a déjà dit. Et comme le Qigong est fondé sur la même théorie que la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire les méridiens, les cinq éléments, les organes, hein, si cela vous intéresse, vous pouvez aller consulter le livre que j'ai écrit et sur la médecine chinoise et sur le Qigong qui a été publié aux éditions Marie-Claire. Et il y a ainsi toute une grille d'interprétation qui indiquera quel organe il faut stimuler et travailler. Alors on peut prendre l'exemple d'une personne qui va être en vide de chi du poumon, d'énergie du poumon, c'est-à-dire par exemple il va avoir une insuffisance respiratoire ou de l'asthme. Et alors on va recommander certains types de mouvements, des exercices physiques, des techniques de respiration qui vont être thérapeutiques et qui vont être spécifiques. Donc on peut dire que le Qigong comporte des exercices conçus dans un but purement médical. Et en pratique, vous allez effectuer des gestes qui vont être très gracieux, très lents, très précis, qui vont être très harmonieux, qui vont permettre de lever les obstacles situés sur les méridiens où circule l'énergie. Et donc c'est le principal but recherché. Pour ma part, ce qui le différencie du yoga, c'est le travail aussi selon les saisons et selon donc les émotions correspondantes. Par exemple, là, en hiver, on va aller travailler sur deux méridiens qui sont rein et vessie, et on va aller travailler sur un élément qu'on appelle l'élément eau, qui correspond à la saison de l'hiver, et à une émotion spécifique qui va être la peur. Alors, on peut dire aussi que le Qigong est thérapeutique, c'est-à-dire qu'il va permettre de charger les mains énergétiquement pour guérir et soigner. Mais le Qigong amplifie ce phénomène et inclut même des exercices spéciaux qui vont permettre de faire sortir du corps cette énergie que l'on appelle le chi. Je pense aussi que le Qigong est plus accessible et il est plus facile d'accès à un plus grand nombre de personnes et surtout à des personnes qui souffrent de troubles et de douleurs articulaires. Il ne demande pas de porter le poids du corps sur les mains comme certaines postures de yoga, mais privilégie l'utilisation du poids du corps sur les pieds, avec particulièrement l'enracinement à la terre. Bon, ben maintenant à vous de pratiquer selon vos avis, selon vos ressentis, soit le Qigong et le yoga, en sachant que l'on peut manger un morceau de gâteau au chocolat, mais aussi une tarte au citron. Voilà, et je pense qu'il est donc bon de prendre dans la vie le meilleur de chacun des mouvements et d'en tirer le meilleur profit. Voilà, je vous souhaite une très très belle pratique et surtout une belle énergie, une belle longévité, quelle que soit la pratique que vous choisissez. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.